Et bonjour à tous et bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et on se retrouve pour la suite de Halo the Master Chief Collection sur l'épisode Reach. Donc la fois dernière, on a joué un peu avec les hélicos, donc on a un peu protégé la ville et permis l'évacuation de civils ainsi que de soldats. On a détruit des brouilleurs et tout et tout. On a perdu aussi un deuxième membre sur l'équipe Noble, ce qui est vraiment dommage, ça fait déjà deux membres sur 6. Donc on n'est plus que 4 et on va continuer tout de suite pour la suite. Donc je tourne cette vidéo à la suite, donc j'ai toujours mon torticolis, c'est un peu dur de jouer, mais bon, je fais avec. Allez, c'est parti. Les Covenants verrouillent cette zone. Mais on a trois bonhommes avec nous. Éliminez leur défense solaire pour que les autres Nobles puissent atterrir sur Sword et entamer les réjouissances. Soyez discrets. En les prenant par surprise, ce sera bien plus simple. Il y a du monde. Spartan, on vous suit. Allez les gars, venez. On va faire mumuse un peu. Allez, allez. Donc, qu'est-ce que l'on a? Carapace et hologramme. Je vais rester un peu avec mon sprint. Et de 1. Là, on se fait gavarder par celui-là. Hop là. Oula, il y en a un là-bas qui nous vise directement. Hop. On va prendre ça. Allez, monte dedans. Et... ah, c'est vrai qu'il y a de la latence avec celui-là. Ah purée, il y a le truc qui me gêne là. Hop là, ça c'est fait. On va récupérer ça. Il me semblait qu'on pouvait sauter avec ce véhicule là. Hop là. Allez, on sécurise tout ça. Et on continue. Le pauvre lui s'est fait mitrailler. Gat avait raison. Oh oh oh. C'est n'importe quoi de nous renvoyer là-bas pour une simple démo. L'ONI pense que ça vaut le coup. Ça veut dire quelque chose. Ouais, que rien n'est simple ici. Il doit rester un scorpion opérationnel, 6. Allez voir. Allez les gars, montez. Oh, énorme. Ça faisait longtemps que j'avais pas piloté un scorpion. Allez, vas-y, monte. Oula. Oh, les dégâts. Oh, lui il se l'est pris de plein fouet.
Allez, on continue. Bon, c'est un peu lent, mais c'est plutôt pratique. Excusez-vous, Noble 6. Nos Falcons sont tous prêts. Aïe, on fait gaffe là. Oh, sacré canon! C'est l'heure de s'y mettre, Noble 6. Dégommez ces armes. Hop là, lui, il a pas fait long feu. Bon, lui, je l'ai loupé. Mais pas deux fois. Allez. Hop. Hop là. On peut pas les avoir comme ça. Bon bah on va descendre. J'ai cru qu'il allait exploser le truc. Hop là. On se casse. On se casse, on se casse. Ah, par contre là les touches de rotation sont inversées, c'est horrible. Allez. Là par là il n'y a personne. On va passer là. Oula. Hop. Lui, je les ai pas vus arriver. Hop. Hop là. Allez, allez. Ah, je suis bloqué. En même temps, quelle idée de passer par là. Bon, lui, il va plus rien faire. Hop là. Ah, l'enfuir. Hop là. Bien joué, 6. Falcon, amorcez la descente. 6, on se retrouve dans la base. Allez. Mais c'est quoi ce pilotage? Ah, on a du secours qui arrive. Éliminer les défenses Covenant. Hop là. Ah d'accord, il se pilote aussi à la souris. Bon, allez, on va les rejoindre. C'est fini. Il y en a encore. Équipe Noble, les Falcons ont atterri. Les ennemis sont sous le feu. June essaie d'ouvrir la porte. Là tout de suite. Tiens, maintenant. Hop là, allez, on va continuer, on va continuer. Ouh. Ça fait mal. Ça y est, porte ouverte, boss. 6, ramenez-vous, les Covenants sont partout. On arrive, on arrive. Allez, vas-y, montre-toi. Hop là. C'est bon. On a fait le ménage. Ouh! Feu croisé!
soit là. Oups. Ennemis, ils viennent de la SEDA. Et du garage. Plus vite que ça, 6, allez. Est-ce qu'on peut rentrer avec le... Ah, on peut pas rentrer avec. C'est dommage. Bon, allez, on descend là. Vous venez, copain ? Je ne sais pas comment on les fait descendre. Ouais, je les vois. C'est pas grave. Quand vous voulez, 6. Entrez dans la base. Juste à temps, 6. Tuez-les tous, ma balle. On va se calmer un peu, on régénère le bouclier. Hop là. Ah, une munition. Allez. On prend ça. Et. Appuyez pour détacher le canon à plasma. Faut passer par la maintenance. L'ascenseur est foutu. Vu comment ça a bastonné, on va s'estimer heureux. Comment ça se fait que je peux pas les enlever? Ah voilà. Allez, on revient ici. Hop là. J'ai mon chat qui est sorti. Coucou toi. C'est quelle porte? C'est celle-là. Hop. Cible ennemie en vue. Je me fais arroser par des ennemis. On se replante. Continuez. C'est bon. Ah, l'autre il l'a protégé. Hop là, il y a 1. Loupé. Toi là-bas, je t'ai vu. Hop là. Juste derrière vous, 6. Oh les petites souris. L'épée, c'est tentant quand même. Surtout qu'elle est bien puissante. Allez, on va monter. On régénère un peu le bouclier. Joli tir. Hop là, ça c'est fait. Ils vont pas se relever de sitôt. T'as pas une arme toi? Non. Hop. Ah. Allez, on va recharger tout ça. Mettre la vue pour que vous puissiez voir un peu parce que ça a l'air d'être bien sombre par ici. On part où maintenant, boss? Dad. Rendez-vous aux coordonnées préétablies. C'est crypté. Vous en savez autant que moi, Noble 4. Hop là, on a récupéré des munitions. Coordonnées proches, commandant. On y est presque. En haut de la rampe et à droite.
Ouais, ils sont un peu partout. Oh, ils ont du camouflage, les enflures. D'accord, c'est pour ça que je les ai pas vus. Ils ont du camouflage. Hop là. Ouh, ça, ça fait mal. Heureusement que j'ai mon bouclier. Hop là, couché. Ça a quand même bien changé. Ils ont refait une belle déco, je trouve. Allez. On dirait que l'ennemi les a acculés ici. Ou bien ils défendaient la position. Pas sûr. Je vois rien à défendre ici. Aucune colonne porteuse ici. Chef, si on doit raser le complexe, c'est pas le meilleur endroit pour s'y coller. Dot, vérifie le vecteur. Vecteur confirmé. Nous sommes aux coordonnées précises désignées par l'ONI. Mes excuses. Données rectifiées. Veuillez confirmer. Rectifié. Par une IA inconnue, d'une accréditation supérieure à la mienne. Elle désigne une position à une borne et demie à l'est, 2000 pieds sous terre. Et on creuse comment? La cuillère? Chef, je propose qu'on se passe d'IA sur ce coup. Ses coordonnées, c'est du pipeau. On perd notre temps à courir après. C'est quoi, ça? Notre nouvelle voie d'accès. Ok, autant continuer. Intéressant. Transport avec un petit tunnel caché. Ah, les petits filous. Ta nouvelle copine t'a rien dit d'autre, Dot? Dot? Elle vous attend déjà. La totale. Pardonnez-moi ces précautions inhabituelles, commandant. Hélas, la situation l'exige. Docteur Halsey? Les rapports vous disaient morte. Comme vous le constatez, ces rapports ont légèrement exagéré. J'aurais souhaité qu'il en aille de même pour l'équipe Noble. Comme nous tous, madame. Vous serez ravis d'apprendre que le module de données récupéré à la station de Visegrad contenait précisément ce qu'avait annoncé le professeur Sorvad. Une découverte cruciale. Elle a dissipé les mystères de cette excavation. Je ne comprends pas. Vos ordres n'étaient qu'un prétexte pour vous conduire jusqu'à moi. Vous êtes ici, équipe Noble, pour acheminer ces données capitales jusqu'en lieu sûr. Docteur, nos ordres consistent à détruire des documents stratégiques. D'autres que vous s'en chargeront. Je dois d'abord en référer à l'état-major. Holland en sera informé. Vous appartenez à l'ONI désormais. Oula, changement! Vous contemplez un artefact d'origine inconnue, ni humaine, ni covenante. D'une technologie au-delà de notre entendement. Mais grâce à Noble 2, le décryptage de ces données est presque achevé. Quoi qu'on décide, commandant, on a intérêt à faire vite. Préparez les données, madame. On vous rejoint. Le décryptage est en cours d'exécution. Vous ne comprenez pas. Le temps presse. Si les données ne sont pas amovibles à notre arrivée, elles seront perdues. Laissez-les disparaître, et vous condamnerez l'humanité au néant. Commandant, savez-vous pourquoi vos Spartans sont morts? La réponse est ici. Je vous en prie, donnez-moi le temps d'achever mon œuvre.
J'espère que ça en vaut le coup quand même. Allez. Le labo de Halsey. Allez. Commandant, je vois des tourelles déjà en position défensive. L'ONI attendait de la compagnie. Pour le coup, ils en ont eu. Ah oh, putain, ça pète. Spartan, ne laissez pas les Covenants s'introduire par la porte de mon labo. Bien reçu. D'accord, madame. Le temps nécessaire. Équipe Noble, il y a 4 tourelles pour vous aider à défendre le labo. Réparez-les et vite. Les tourelles qui encaissent trop de dégâts se désactivent pour recharger. Vous devrez les réactiver quand elles seront opérationnelles. Noble 6, activez cette tourelle pour établir un périmètre. Allez. On va activer toutes les tourelles. Malheureusement, on a de la compagnie. Ouais, on va se manier un peu. J'ai pas envie de rester là. Ils atterrissent hors de portée de l'autre côté du pont. Il me faut plus de temps. Faites donc ce que vous avez. Allez, hop. Toutes les tourelles sont activées. On va rejoindre l'équipe Noble. Hop là. Et on va défendre le complexe. Hop. On a pris le petit jetpack. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce gros joujou? D'accord. Allez. On bute tout ce qui a buté. On va essayer d'aller détruire le gros vaisseau là-bas. On va se mettre en hauteur. Oh là! Je l'ai vu arriver au dernier moment. Ils m'ont collé une grenade à mes pieds. Allez, on occupe ces saloperies là pendant que les tourelles s'en occupent. Tu m'auras pas. On va aller dégommer l'apparition que y a là-bas. Ouais, il est juste derrière. On va utiliser le gros joujou. Allez. Hop là. Tourner par là. Les tourelles sont encore actives. En plus, on a des quads tout. Nickel.
on va se soigner. Hop là, ça c'est fait. Hop là. Tu vas moins la ramener. Attendez, Spartan, j'y suis presque. Si tu le dis. De toute façon, nous, on peut pas faire plus. Arrête de bouger toi. Arrête de bouger. Hop là. Hop là. Arrête de bouger. Hop là. Ça c'est bon, c'est fait. On récupère la Banshee. La tourelle se désactive. Là, il y a une tourelle qui s'est désactivée. Oh la saloperie! On va reprendre ça. Oula, on fait attention. Hop là. Ah, plus de munitions. Allez, on fonce dans le tas. Ah, poussez-vous les gars. Bon, décidément, cette partie va être très emmerdante. Allez, toi, tu ne l'auras pas. Hop là, attention à vous. Désolé. Olé. On va se protéger avec la tourelle. Ouh, je viens de me faire faucher. Je viens de me faire faucher.
Allez, hop là. Ça c'est fait. On fonce dans le tas. Où est-ce qu'il est? Oh non, mais c'est sérieux! Ah là. Loupé! Craint du boudin. Je me retrouve au milieu de tout là. Oh là 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 là. Oh lui, il faut pas qu'il m'approche avec son épée. Faire shooter en l'air. Notre convenant, préparez vos défenses. Ok, ok. Surprise. Mais bon. Pour l'instant là, c'est un peu moi qui me fais avoir. Oh mais non! Oh comment ça peut être possible ça? Saloperie. Notre convenant, préparez vos défenses. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Allez, recharge. Hop là, ça c'est fait. Je vais te donner envie de voler. Bien joué, Spartan. J'ouvre la porte. Oula, là-bas il y a des gros machins. Un peu compliqué, mais bon. Après, c'est un peu aussi de ma faute. Moi, je rentre toujours dans le taf. Oh, c'est classe. C'est quoi ce truc? Le savoir, l'héritage d'une civilisation immémoriale.
Cette IA en est le gardien. Elle vous a choisi pour être ses vecteurs. Choisi? Par une IA? Par cette IA, oui. La perception qu'elle a de vous est aussi limpide que la mienne. Cortana. Peut-être plus. Emmenez-la au site de démantèlement naval de l'UNSC à Eusod. Vous embarquerez sur un croiseur Alcyon et quitterez la planète. Je comprends. Vraiment. L'humanité est au bord du gouffre. Lorsque Reach tombera, et je vous assure qu'elle tombera, nous serons condamnés. Sauf si cet artefact nous apprend le moyen de résister au Covenant. Une technologie qui changera la donne. Une révolution d'une ampleur comparable à l'invention de la poudre à canon ou du voyage PRL. Et si nous échouons? On pourrait l'envisager, si on avait d'autres recours. Nous n'en avons aucun. Prenez-la, lieutenant. Elle a fait son choix. Vous l'avez? Oui. Dites-le, s'il vous plaît. Je l'ai. Docteur, Noble 3 vous escortera jusqu'à la base Casson. Je n'ai pas besoin d'escorte. June? Assurez-vous qu'il ne lui arrive rien. Je ferai le nécessaire, chef. Bonne chance. À vous aussi, June. Allez, on se sépare. Quelle direction, Dot? À 3 km nord, virez à droite au cap 050. Et ça nous mène? Au chantier de démantèlement de Zod, le dernier site d'évacuation extraplanétaire du continent. Des raids aériens de faible ampleur ont décimé plusieurs convois en transit. En outre, des croiseurs Covenant convergent vers le site. Le croiseur UNSC Pilton attend votre arrivée. Si c'était simple, on serait pas de la partie. C'est pas faux, oula. Ils ont tout fait péter. Ils ont tout cassé. Et donc voilà pour cet épisode. Et encore une notification, j'ai encore oublié de les désactiver. Hop là. Donc un petit épisode un peu compliqué, je suis mort pas mal de fois. En même temps, je fonçais tête baissée, ça m'apprendra. Mais bon. Déjà, on n'a perdu aucun membre, on a récupéré un artefact contenant une IA super développée comparée à tout le monde, ce qui est plutôt bien, et on va l'escorter jusqu'au site d'extraction planétaire pour pouvoir s'en aller. Donc ça est tout pour cet épisode, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.